Cinquième planète, Blizzard 1. On va s'intéresser à l'ensemble des collectifs sur cette planète. Alors, bien sûr, il y a un robot espion, il y a des boulons d'or, il y a des sets d'armure. Mais également, dans cette vidéo, je vais vous montrer 23 blisons des cristaux. En fait, ça fait partie d'un trophée du jeu où il faut tous les frapper. Donc, en l'occurrence, on va s'intéresser à ceux qui sont sur cette planète. Mais il y en aura également sur une autre, la planète Cornélion. Tout de suite, on regarde ça. Ah, putain, c'est marrant, on dirait qu'il y a une gravité un peu. Quelle sensation exaltante! Ce cristal est une substance appelée blison. Donne-lui un coup de marteau. Le blison semble absorber l'énergie des failles dimensionnelles. Waouh! Une autre dimension. C'est la tienne, tu crois? Non, mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Partons à la recherche des mineurs. On peut changer de dimension. D'accord. Chercher du quartz, trouver la clé. Le chef cuisinier. Ne me dis rien qui vaille. Je crois qu'on ferait mieux de se concentrer sur les crabes toxiques d'abord. C'était quoi ça? Une secousse sismique. Peut-être causée par l'effondrement des frontières entre les dimensions. Donc c'est mauvais signe. C'est dur de verrouillage. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Encore un truc dimensionnel? Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. Wow. Hein? Bah, ça c'est vraiment sympa. Hein. L'univers à la noix. Plus d'eau, plus de quartz physique, plus de planète. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mon âme? Vas-y, prends-la. Je viens de découvrir qu'il y a une autre dimension où Blizzard est encore intact, alors... Encore intact? Mais comment? Mais oui! Le blison! Si la planète n'a pas encore été détruite! Qui c'était? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait? C'est certainement une survivante de ce qui s'est passé ici. Un autre cristal de blison. Nous devons trouver un moyen de passer et de retourner dans la dimension intacte. On va le trouver comment, notre quartz phasique? Nous devrions nous adresser à un mineur ou un ingénieur dans la dimension intacte. J'ai l'impression qu'on a trouvé. Croire que quelqu'un l'entende. Nice. C'est vraiment sympa ce changement de phase. C'était qui cette personne dans ma dimension? L'inconnu? Je n'ai rencontré personne comme elle sur Blizzard dans ma dimension. Un boulon de...
trouvé ça suspect, ce petit truc que j'avais pas été encore voir. Qu'est-ce que ça brille? Il en restera deux. Je vais crever. Merci du coup de main, Boulon. J'ai pas vraiment l'habitude. Nous devons trouver un moyen d'extraire le quartz basique. La foreuse géante, peut-être. Trouvons quelqu'un qui nous aidera à y accéder. D'accord, c'était tout con. Allez, juste poser ses petites pattes. Voici le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse. Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que t'es incollable sur les mines. En effet. Par exemple, sache qu'un mineur passe en moyenne 72% de sa vie sous terre. Oh, c'est vrai? Non, mais je voulais satisfaire ta soif d'anecdote. Ces gens ont l'air tout aussi déroutés que nous. Séisme, verrouillage, faille interdimensionnelle, je peux les comprendre, mais on a besoin d'une foreuse. Dépêchons-nous, ce qui est arrivé sur Blizzard dans ma dimension pourrait se produire ici. Viens là, petit boulon. Salut, beauté. Chef Tullio, ça fait à peu près une heure qu'elle aurait dû revenir. L'accent. Pas de problème, j'ouvrirai l'œil.
Merci, c'est gentil. Je crois que je capte un message radio. Vous, là, avec la fourrure et les oreilles, dites-moi donc, que diriez-vous de participer à la création du nouveau plat du siècle? Ne répondez pas. C'était une question purement rhétorique. Contentez-vous de grimper à la crête de cristal qu'on puisse commencer. Le chef Tullio, je présume? Elle n'a pas l'air blessée. Je me demande ce qui l'empêche de rejoindre les mineurs. Minute. Comment font ces canis robots pour flotter? Générateur de champ d'invisibilité autocam. La classe. Heureusement, ça fait pas réellement disparaître les... Oh là là. C'est compliqué, hein, parce que le... Et une nouvelle armure. Pour nos héros. On a chopé par là. Là, je suis presque sûr que cette grotte nous conduira à la crête de cristal. Oups, on a failli me faire voir. Ah, je peux grimper. Toujours plaisir. Vous devriez trouver des géosauteurs dans les parages pour vous aider à monter. Voilà notre boulon.
artiste. J'ai besoin de souffrir pour créer mes chefs-d'œuvre. Ok. Pour préparer ma recette ultime, je dois récolter le miel syringien juste en dessous, avec cette aspidomyle. Mais cela me demande une extrême concentration. J'ai donc besoin de quelqu'un pour me défendre contre ces réfractaires à l'art culinaire. Si vous souhaitez entrer dans l'histoire de la gastronomie, actionnez ce levier pour commencer la procédure d'extraction. Alors, quel est le menu ? À vrai dire, je n'ai pas souffert ces derniers. La machine chauffe quelques instants avant d'être utilisée. Alors faites donc le guet, mon enfant-là. Ah, les voilà qui arrivent. Sera une mousse renversée de monstres blargues au miel. Oh. Toute cette souffrance. Mais mon imagination est enfin sortie de sa torpeur. Mes variations culinaires autour du miel seront divines. Quelle souffrance! Vous n'avez rien fait! Je vous remercie pour votre aide. J'espère que cela vous inspirera dans votre propre domaine artistique. Je suis contente que les mineurs puissent enfin se remplir l'estomac. Bon, comment je fais pour les joindre? Quatrième robot espion. Ce Security Taxi devrait faire l'affaire. C'était toi, soyez séparés. Oh, j'aurais dû prévoir que tout cela finirait mal. Le dimensionnateur est trop puissant pour être exposé aux yeux du monde. Hé hé, nouvelle armure. Ouais, d'accord. Je pensais qu'à un moment donné ça allait se calmer, mais ça s'est pas calmé tout de suite. Ok, alors on y est. Non, on atterrit là. Ouh, c'était moi une. Là, derrière la vitre. Arrêtez, écoutez.
Peut-être qu'elle fait référence au protocole. Êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Non, tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. Demande d'amitié, refusé. Oui, de tristesse. Retour à l'ingénieur en chef. Oh, tout doux, Jim. J'espère qu'il a bien intercepté des messages interdimensionnels et qu'il a pas passé son temps à chercher des amis. Identification, entité hostile. Bonjour, êtes-vous mon nouveau meilleur ami? Putain, la vache, avec le nouveau niveau, ça déboîte, hein. Alors, faut-il être à bonne distance, par contre? Zéro et les autres, je compte même plus. Ah, maintenant, notre cristal est déverrouillé. Est-ce que tu soupçonnes tous les gens que tu rencontres de travailler pour l'empereur Nefarious? Presque tous ceux que je rencontre sont des agents de l'empereur Nefarious. Ah, tu marques un point. C'est la guerre. Niveau ça. Et bien sur la plateforme, là, à droite, juste après le pont détruit. Comment pouvons-nous le rejoindre? Nous avons atteint la plateforme, mais le robot en état de marche se trouve dans la dimension intacte. Ouais. Il y a quelque chose qui nous échappe. Ah oui, il faut d'abord taper sur lui. Oh, la grue a déplacé le cristal. Voilà qui pourrait nous être utile pour atteindre notre robot. Alors attends. Oula. Ok. Ah.
Oups. Putain, mais par contre... Ah, ça va, j'ai eu peur, hein, mais les... Faut que je regarde dans les options si ça sert de ralenti, mais c'est plus désagréable qu'autre chose, hein. Oups. Nous sommes tout près de la foreuse principale. En tout cas, c'est toujours sympa, hein. C'est... Ces séquences... Je rêve depuis toute petite de piloter une foreuse 100 fois plus grosse que moi. C'est un rêve étonnamment concret. Plus c'est concret, plus c'est réalisable. Du quartz phasique, là, dans le faisceau de la foreuse. Je vais le récupérer avec mon marteau. Vas-y, doucement, s'il te plaît. Excellent. Oui. Ah. Et... Oula. Donc là on est revenu, hein.